Salut à tous, c'est Calypso. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Youtubers en moto. Et aujourd'hui on accueille Tim qui vient tout droit de Bretagne. Voilà, bonjour à tous. Donc on n'est pas très loin, ça va? Ça va et toi? Bah moi ça va, moi je suis dans mon univers habituel. Mais je suis bien là. Toi tu découvres, Je suis assez quali. Toi et la moto pour l'instant c'est... C'est 5. Je lui ai fait faire quelques petits tours gentiment histoire qu'il passe les vitesses, etc. Maintenant on va passer aux choses sérieuses entre guillemets. Et si tu me prouves que t'as le talent pour, on ira en forêt. D'accord. Tu te sens chaud pour aller en forêt ou quoi? Totalement. Totalement. Allez, c'est parti. Pour l'instant, Tim, tu vas me suivre? Je te suis. Ouais, vas-y, suis-moi. Là on va lui apprendre un petit peu les virages tranquillement. Hop, on va l'attendre. Alors ça c'est pas prévu. Le but ici, c'est de lui apprendre à tourner, etc. Et surtout de garder de la stabilité sur des endroits qui sont assez glissants. Oh putain, je vais foncer dans un arbre. Putain, j'ai failli me rétamer comme une grosse merde. C'est abusé. Je suis le genre de mec pas du tout rassuré. Il y a Fast Good Cuisine, bonsoir. Bonsoir Fast Good. Je suis derrière toi. Ça se passe bien? T'inquiète. La caca. J'ai calé. Waouh. T'as oublié le point mort. C'est bon là non? Essaye d'avancer un petit peu, si ça bloque c'est que c'est pas passé. Là c'est bon, c'est passé, t'es au point mort. Le but c'est que tu te casses pas la gueule dans les virages pour le moment. D'accord. Le but c'est que tu prennes les virages un peu plus vite. Et une fois que tu vas réussir à un peu plus me suivre, et bah là on va aller en forêt. Fais me prendre un ou deux arbres là-bas mais tranquille. Ouais. On dirait que je tourne l'herbe quoi, c'est abusé. Je me mets en deuxième. Ok. T'as une question Calypso, fallait pas me dire ok. Je fais de la merde. Ça fait à peu près 20 minutes qu'il fait de la moto. Pour l'instant pas de chute, pas trop de frayeur. Il y va gentiment et c'est plutôt cool. Il se démerde bien. Ça glisse. J'ai failli me casser la gueule. Un truc de ouf. Petit wheeling ici. Oh 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 les arbres. J'ai chaud. Il bug l'enculé. Donc on tourne encore un petit peu par ici avec Tim. Il y a Charles qui se fait. Il est caché dans les arbres. Dans 5-10 minutes, pour nous, on va aller en forêt. Donc j'espère qu'il va assez bien gérer la moto pour être en forêt parce que c'est assez difficile au début. C'est un trek de ouf là. Nous on va essayer d'avancer un peu plus vite. Ça glisse hein. C'est de la patinoire. Elle est longue l'herbe ici, putain. On dirait un peu un champ de maïs. En plus nul. Il est où, Tim? Ah, il est là. Bon, ça va, il s'est mis plutôt pas mal. J'ai regardé tout à l'heure sur les GoPro, ça faisait à peine 20 minutes qu'on tournait. Hein, donc ça va. Il est plutôt bien. Rougaille saucisse, marguerite, Calypso, éclate-toi au montage. J'ai tellement kiffé ma chute en fait. Ok, ça part sur un drift mon gars. Tu vas faire quoi frère? Frère. Oh ma mène. T'as l'air d'aller dans l'ensemble. Allez l'intérieur de Calypso. Oui monsieur. Oui monsieur. Hey, Calypso, pourquoi tu me doubles comme ça toi? Moi je peux pas faire ça, c'est impossible. Ah, elle a encore calé mais putain. Moto de merde qui a, je te hais. Comment tu vas Calypso? Bien ou pas? Là il m'entend pas, regarde. T'es un gros connard! Alléluia. T'as dit quoi? Gros connard! Alléluia. Alléluia. Il a compris.
Hey, t'es con. Quoi? Rien. Enculé. Hey, fais le malin, toi, tu vas voir. Je vais te pousser. Je vais vous faire une petite démo, je vais me mettre debout, regardez. Et ok, c'est bueno. Ok, bon, j'arrête. J'arrête tout de suite parce que c'est très gênant. Tu fais le mariole. Ah, là, je suis bien, là. Là, mon gars, tu vas commencer à souffrir un petit peu. Ok. Allez, suis-moi. On va le faire souffrir un petit peu, le petit Tim, là. T'as fait le mariole depuis tout à l'heure? Oh, l'enculé. Oh, non. Ah, si. Mais non. C'est où? Regardez, il veut que je passe dans cette flaque d'eau. Je ne peux pas, Calypso. Mais c'est tout plein! T'es un ouf! C'est juste de l'eau, hein! Non mais c'est hyper profond, je vais crever! Bon, on va aller par là! Allez! Je vais mettre sur un petit chemin plat parce que monsieur ne veut pas aller dans l'eau! Allez, c'est parti! Si ça passe, tu me suis, ok? Non! Regarde là! Oh, le sucre! Monsieur le sucre. Wouhou. C'est stylé par ici, hein. Ouais. T'as des putains de ronces. Putain, je suis tout mouillé, les amis. Elle a calé la pute. T'as calé? À ce qu'il paraît. Ah, oh, putain, j'ai pris de la merde dans l'œil. Oh. Je kiffe la forêt, sa mère. Eh, hey, le pépé là. Ça va, papy? C'est ça que je vois. Oh. Elle est tellement simple à gérer en wheeling. Putain, par contre, je me prends plein de bêtes dans les yeux. Bah voilà, ça passe. Premier hors-piste. Bien joué. Yes. Bon, alors honnêtement, wow, il a failli se rétamer. Ça glisse ici. Attends, je change ma vitesse. Regarde là. Lourd. Je sais pas du tout où je suis. J'ai pris le train ce matin et je me retrouve en train de faire de la motocross. Bah pour l'instant, ils se démerdent plutôt bien en forêt. Bon après là, on est sur des chemins super simples. Mais pour une première fois, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Putain, c'est trop beau ici. Mon dieu, quelle vitesse. Il m'attend, comme d'hab. J'imagine que tu veux pas la faire celle-là. Ah, putain, je me suis pris une feuille d'arbre. Bon là aujourd'hui avec Tim, ça a été un petit peu balade. Il savait pas vraiment faire de moto, donc forcément on va pas aller à 300 km/h dans les chemins. Et ça, en tout cas, c'est bien sympathique. Moi de toute façon, j'adore faire de la moto et puis apprendre la moto aux gens. C'est pas la première fois que je le fais. Et j'adore faire ça. Transmettre ma passion, ça me fait kiffer. C'est super kiffant. Ça a l'air de lui plaire en tout cas, donc c'est plutôt cool. Ah, oh, putain, ce chemin, je l'adore. Regardez comment je vais à fond. Hey, comment ça accélérer, hein. Oh, le petit saut. Wop, putain. C'est énorme. Ah, ça glisse. Je ne suis pas rassuré. Allez. Il est parti où, le petit Tim, là? Il fait sa petite vie en forêt. Il est tombé. C'est pas mignon ça? L'entraide entre les moteurs. Ah bon, et eh bien c'est la fin de la vidéo. Moi je garde mon casque parce que laisser tomber la coiffure,
on n'en parle même pas. Merci à Tim d'avoir participé. De rien. En tout cas, t'étais un élève assidu et t'as appris très rapidement la moto, donc ça fait plaisir. C'est vrai que j'aime beaucoup la moto. Au moins, si t'aimes la moto et que maintenant tu sais en faire, c'est encore mieux quoi. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like sur la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et bye bye tout le monde. Ciao.